Sur le plateau de la chanson secrète, les surprises se suivent et on fait tout pour qu'ils ne se ressemblent pas. Et notre prochain invité est une légende de la chanson française. Chers amis, ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un chanteur tendre, drôle, poète, le grand Pierre Perret. Et sa surprise a été préparée par des personnes qui lui portent énormément d'affection. Il y a Alessandra Sublet, le groupe Trio et Patrick Bruel ensemble. Ils nous disent en images pourquoi et comment ils ont préparé ce bel hommage. On m'a dit, on va te faire une surprise. Et comme je suis curieux comme une vieille chatte, eh ben je viens voir la surprise, voilà. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, t'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Et on est tous super heureux d'être là, parce qu'on le connaît vraiment tous bien et de façon différente. Et je pense que, voilà, je pense que ça va lui faire super plaisir. Respirez la violette à Parme et les épices à Colombo. Nous, on s'est rencontrés avec Pierre par l'intermédiaire des Ogres de Barbac, qui est un groupe, c'est nos amis, c'est nos frères, les Ogres de Barbac. Et c'est eux qui nous ont proposé de participer à ces 60 ans de carrière. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Pierre. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. Alexandra Sublet est partie en Irlande avec lui. Donc ils ont vécu vraiment des moments quand même assez forts et très épicuriens. T'en fais pas, mon petit loup. Non, ça va pas très bien, mais ils ont cru que j'étais chanteuse. À quel moment est-ce qu'on me donne la responsabilité d'un couplet entier dans une chanson? Je suis animatrice, à mes heures perdues productrice, mais pas chanteuse. Prends du plaisir. Mais j'ai pas de plaisir, c'est pas mon métier. Mais justement, c'est ça qui est bien quand tu chantes au karaoké ou avec tes copines. Oui, mais je me marre. Et ben là, pareil. Oui. Là, pareil, Marc. Je connais Pierre Perret depuis le tout début des années 90. C'est Guy Carcassonne, notre ami commun, qui nous avait présenté. Super, ça va être un joli tableau. Oh non, regardez, c'est très joli. On a même mis un petit gilet. Donc là, il y a la mise en scène dans l'air. Ce qui caractérise Pierre, c'est la bonhomie, la gentillesse. Et c'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Je pense qu'on peut avancer même et pendant. Et on s'avance même avant. En plus des amis artistes de Pierre Perret qui sont présents, il y a plusieurs clins d'œil dans la mise en scène. Dans le décor, par exemple, on a reproduit la place du village de son enfance avec le café Dupont, qui appartenait aux parents de Pierre Perret. Et on aura aussi un passage de danse irlandaise en hommage à son pays de cœur. La force de cette émission, c'est que l'artiste ne sait pas quelle va être sa surprise et celui qui fait la surprise ne sait pas l'impact que va avoir cette surprise. On peut espérer que ça lui fasse plaisir, on peut espérer qu'il soit ému, touché, mais on ne peut pas le savoir. Oui, j'aime bien les surprises, oui, quand elles sont heureuses. Je ne pense pas qu'on veuille me faire des misères avec ce type de surprise ce soir. Le mystère m'a attiré. Voilà pourquoi je suis là maintenant. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Pierre Perret. Les amis comme le mille fréquences. Merci maman, merci papa. Tous les hommes, j'aime. Je suis content de te voir. Moi aussi, nous aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment? Mais là, je ne la ramène pas quand même. Non, rien. Pas non. De contrôle, pas de plan B. Ah ben non, j'attends ce qui va me dégringoler sur la théière, voilà. Dégringoler sur la théière, notez-le à la maison. Vous le préférez avec du lait, le thé ou sucré? Je bois que du kawa, moi. Très bien. Est-ce que vous avez essayé, je sais pas, de savoir, vous avez passé des petits coups de fil? Non, pas du tout. Non, donc non. Vous acceptez la surprise? Ah oui, complètement. Vous venez en terrain vierge. Oui, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais... On vous aime. On vous aime et c'est infini ce qu'on sent pour vous, parce qu'on a l'impression que vous êtes notre grand frère, notre tonton, notre papa, notre grand-père, notre ami, et on est très heureux de vous offrir cette chanson secrète, mon cher Pierre. C'est gentil. Le fauteuil vous attend. «
Alors là, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, là. En général, ils les laissent mariner longtemps avant que ça. C'est la première fois que vous êtes venus, là, vous tous, non? Oui? Moi, c'est la première fois, toujours. Hein. Ça... Si j'étais impressionnable, je devrais être stressé, non, là? Non? Stressé, non. C'est pas mon truc. N'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, t'oublieras. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux, respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, t'oublieras. Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les arbres crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, oublie les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc et un petit piaf, triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans cigare. Une fois dans votre vie, vous qui n'êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les symboles, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez leur porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez. Ouvrez-leur la porte.
vous êtes mignon. Ah merde, alors, vous m'avez eu. Hein. Oh putain. Oh là. Voilà. Vous m'avez eu jusqu'au trognon, là. Hein. Ah ouais. Je savais pas que tu chantais aussi bien, plus. Toi. Faut lui écrire une chanson. Non. Vous pouvez l'applaudir. Il y a que pour toi que je pouvais chanter. Bah, tu sais, d'autant plus que la dernière fois qu'on s'est vu, Nikos, on faisait de la pêche au saumon, la pêche à la mouche. En Irlande. Alors autant te dire qu'il y a un petit décalage, quoi. Patrick Bruel, évidemment, est arrivé sur la cage aux oiseaux. Il y avait aussi un petit clin d'œil irlandais. Le petit violon traditionnel, c'était pour vous. Parce qu'il y a l'Irlande, il y a aussi votre France, votre poésie, votre décor naturel, le Café du Pont. Ah ça m'a scié, là. Oui. Il s'est passé quoi? À 8 ans, j'ai vu arriver les Allemands dans le Café du Pont, justement. Et c'est quand même, pour un enfant, c'est, crois-moi, c'est... C'est pas racontable, voilà. Puis le café était plein d'Allemands et moi j'avais mon papa qui faisait évader des déserteurs qui venaient gratter à la porte du café pour que papa leur fasse gagner le maquis. Et c'était pas sans danger, tu t'en doutes, parce que si c'est un mauvais qui gratte, t'es au poteau 2 secondes après, tu vois. Il y en a beaucoup à qui ça doit rappeler de mauvais souvenirs peut-être. On garde les bons avec vous, tout ce que vous avez écrit ensuite. Vous qui avez croqué la vie, jeune adolescent, qui est devenu un poète très vite. Patrick Bruel, c'est l'un de vos amis depuis une trentaine d'années maintenant. Qu'est-ce qui vous relie avec Patrick? Je pense qu'il a eu la faiblesse d'aimer mes chansons de bonheur. Et c'était réciproque. Alors, on s'est supporté pendant longtemps, hein. En fait, j'ai eu cette chance et ce privilège que Pierre m'ouvre sa porte, la porte de sa maison, la porte de son plaisir de la vie. C'est un épicurien, c'est un bon vivant. Et quand on a la chance d'être reçu par Pierre et par Rebecca, quand on a la chance de partager la cuisine que fait Pierre, quand on a la chance de goûter un rhum 1924 et que à peine l'avons-nous respiré qu'ils m'ont pas laissé repartir de la maison parce que la route était longue. Avec modération, évidemment. On a passé des moments extraordinaires, vraiment. Mes chers amis, de Trio, sa modernité qui vous touche, sa façon d'être au-delà des modes et de dire les choses, de les signifier courageusement. Ouais, je crois que Pierre Perret est contemporain, en fait. Voilà, il est toujours présent dans le monde actuel. Et c'est impressionnant, voilà, de voir quelqu'un, au bout de tant d'années, être encore auprès des gens et auprès de notre société. Pour moi, c'est un chanteur à la fois humaniste et sociétal. Et voilà, ça représente bien notre ADN aussi avec Trio. Donc, on est très fiers de pouvoir venir lui rendre hommage ce soir. Pierre, c'est quoi le secret? Le secret, quel est-il? Votre secret? Je crois que la seule chose qui compte, c'est de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas aller à droite, il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas écouter les influences. Il faut savoir regarder la vie. Et si tu as la chance de savoir en parler, tu as tout gagné. Merci, merci cher Pierre Perret. Jetez-vous sur son livre « Aphorismes et blues » en librairie en ce moment. Merci à tous. Et évidemment, un petit clin d'œil au petit chanteur Daniel, qui ont été très inspirants dans ce tableau magnifique, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur l'album de Jane Birkin. Et tout à l'heure, je vous ai vu, vous voulez vous embrasser, c'est difficile. On s'adapte, on fait ce qu'on peut. Allez, un coup de coude amical. Oui. Pierre Perret, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un beau cadeau, vraiment un très beau cadeau. C'est que des bons et c'est que des copains. Alors, on ne peut pas trouver mieux, voilà. Mais bon, comme je ne m'attendais pas du tout, j'ai été cueilli à froid là, par Alessandra, par le petit, là, enfin bon. Mais moi, je l'ai vu grandir, alors voilà. En tout cas, on était très, très touchés de faire ça pour toi. Vraiment, très touché. Pas tant que moi. Je vous ai vu arriver les uns après les autres, là. Et ça me touchait, voilà. Ça me touche beaucoup. Eh bien, merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci à vous, les enfants.